Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul, c'est parti. Alors, nous sommes samedi, j'étais faire mon petit tour, me détendre, faire un peu les magasins, et j'ai dit pourquoi pas aller voir Noz. Sachant qu'en ce moment, je suis déçue, mais je trouve toujours une ou deux babioles à acheter dont j'ai besoin ou pas. Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier la plateforme Ivancy et le jeu Limite Limite. Donc mon frère l'avait acheté version adulte, donc c'est super fun. Et là, il y a version enfant. Donc voilà, j'ai reçu ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr. Voilà, dedans, vous avez le jeu, le descriptif. Donc voilà, ils disent le jeu où pipi caca prout est autorisé. C'est un jeu super fun, les enfants ont testé. Un petit jeu sympathique à faire avec vos enfants ou même entre eux, ils peuvent jouer à ça, c'est super bien. Donc voilà, merci beaucoup. Donc je vais essayer de faire vite parce que là, j'ai des glaces qui sont en train de fondre. Parce que oui, j'ai trouvé des glaces chez Noz. Donc j'ai trouvé les Häagen-Dazs. Macadamia. Qui n'aime pas les macadamia d'Häagen-Dazs? C'est un truc de fou. Donc là, c'est une offre découverte. Bon, bref, d'abord, c'est du déstockage. On s'en fout. Il me semble qu'il coûtait 2,90 €. Je vous mettrai les prix comme d'hab. Bah non, j'ai le prix là, donc je vais vous le dire. Donc 2,99 €. Je vous assure que l'Häagen-Dazs, ça coûte bien plus cher. Donc voilà, j'ai trouvé cela. Et j'ai trouvé des M&M's à la vanille, comme ça. Donc voilà, vanille M&M's. Qu'ils étaient, je vais les poser là. À 2,30 €. Donc voilà, c'est juste pour changer un peu. Le beau temps est parvenu, la tempête arrive puisqu'ils annoncent une super tempête. Mais moi, j'ai acheté des glaces. Surtout la Häagen-Dazs, c'est un truc de fou quoi. Elles sont super bonnes. Ensuite, il est où mon sac? Il est là. Donc voilà, j'ai mon petit sac Noz. Alors j'ai trouvé ça parce que j'en fais souvent et je vous assure que je crois que je les avais achetés 6 € et quelques à Auchan. Et là, ils coûtaient 3,50 €. Et bien, il n'y a plus d'étiquettes. Non, moi, il y a les étiquettes jaunes dessus. Je vais vous dire ça. Oui, 3,50 € le kit. Donc dedans, vous avez le rouleau, je vais vous l'ouvrir, ça ne me dérange pas. Donc voilà, vous avez le tapis de bambou pour rouler, vous avez les algues, voilà, il y a des algues noires dedans, les baguettes, ça c'est sûrement le vinaigre spécial pour le riz, voilà, et je ne sais plus, il y a encore d'autres choses dedans au fond. Mais voilà, vous avez tout pour faire les sushis, sachant que voilà, vous devez acheter le riz à part, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas le riz. Ah si, il y a 200 g de riz dedans. 3 feuilles d'algues, 200 g de riz, sauce soja, wasabi et gingembre, une natte de bambou, deux paires de baguettes et des idées recettes. Donc il faut ajouter du poisson, des crevettes ou des légumes crus, ce que vous voulez hein, dans votre sushi. Moi, je mets de l'avocat, c'est super bon, mais même du kiri ou du surimi, voilà, c'est super facile. Sincèrement, je n'en avais jamais fait. Je l'ai fait la première fois avec ce kit-là. C'est super facile, il faut juste suivre les instructions. Sachez que le riz est un peu long à préparer. Donc voilà, si vous voulez en faire, préparez-le quand même quelques heures à l'avance. Donc voilà, j'ai trouvé ça à Noz. J'ai dit je le prends, c'est 3,50 €, c'est vraiment moins cher. Alors ensuite, j'ai trouvé des craies. Donc, pack de craies comme ça. Là, il en manque un peu puisqu'ils en ont déjà pris. Donc il y a vraiment du choix. Et il coûtait 1 euro. Ah non, même pas 69 centimes pour tout ça. Donc j'ai dit, allez, ils ont un tableau, ils s'en servent pas parce qu'ils n'avaient plus de craie. Sachant que je sais qu'ils vont m'en foutre partout. Hein. La craie, c'est pas top. Surtout que j'ai du carrelage noir, donc super. Mais voilà, bon, ça les occupe. On est encore en hiver, ils ne sortent pas beaucoup dehors. Il faut bien trouver des activités. Ensuite, j'ai trouvé de la sauce de maille bourguignon. Donc voilà. Pour celles qui ne connaissent pas, si vous connaissez maille, voilà. Ils font de la bonne moutarde. Donc 1,05 € et la sauce bourguignon, c'est trop bon quand vous faites une fondue à la viande, là, avec du bœuf et tout. Moi, j'adore. Donc voilà, je l'ai prise, sachant que c'est de la marque. Ensuite, j'ai pris une canette. Donc, ils disent que c'est de la bière sans alcool. C'est pour mon fils, parce qu'il aime bien les canettes un peu originales. Et ils sont un peu fans de Pirates des Caraïbes, sachant que ce n'est pas Pirates des Caraïbes, mais ça y ressemble. Donc voilà, c'est un bateau de pirates. La canette est super jolie, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et c'est une bière sans alcool que j'ai payée 50 centimes. Bon, c'est juste pour le packaging. Ensuite, j'ai pris une chose, je ne sais même pas si je peux vous le faire voir. Il est là. Parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur ces genres de produits, j'ai été strikée par YouTube. C'est-à-dire que j'ai eu un avertissement. Et la prochaine fois que je vais voir ces genres de choses, ils me suppriment ma chaîne. Donc, je vais essayer de vous en parler sans trop vous faire voir ce que c'est et sans dire les mots tabous. Donc, c'est un shampoing qui m'a coûté 1,50 €. Il est de couleur vert qui rappelle une certaine plante. Ensuite, je vais vous faire voir la moitié de la plante. Voilà, comme ça on reconnaît un petit peu. Et maintenant je vais le sentir. On va le mettre de ce sens-là. Donc j'ai trouvé ça à Noz 1,50 €. Non mais sans déconner, c'était une gamme d'action qu'il faisait. Je l'ai juste fait une vidéo sur cette nouvelle gamme à base de voilà, je ne vais pas te dire le nom. Et j'étais sanctionnée de fou. Hein. Franchement, incroyable. Donc je vais sentir. Il sent le shampoing. Il sent pas d'odeur particulière. Il sent pas mauvais. À tester, je vous en parlerai dans mes produits finis.
en cachant l'image et en disant aucun mot tabou. Donc voilà pour mes petites trouvailles de Noz, sachant que je ne fais jamais 50 euros d'achat à Noz, à part période de Noël où j'avais trouvé des lisseurs, boucleurs et tout, tralala. Des pop, là en ce moment c'est mort, faut le dire, il n'y a pas grand chose. Mais voilà, on aime tous un peu fuiner, trouver des bons plans chez Noz. Faut le dire, c'est ça. Je me prends pas assez la tête parce que je suis sûre qu'au rayon vêtements on peut trouver pas mal de choses aussi, mais voilà, j'ai pas assez fuiné, j'avais pas le temps, j'avais Eden qui était fatigué, qui voulait rentrer. Donc voilà, donc cette vidéo est finie, n'hésitez pas à encourager ma chaîne en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant, en me suivant sur Instagram et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!